Salut la compagnie. Bon, ben ce soir, petite ETB, légende brillante. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Bon, je pense que la plupart connaissent le contenu. Donc 10 boosters, une carte promo au brillant, qui est très belle d'ailleurs. 65 protège-cartes, 45 cartes, donc c'est le deck. C'est un deck d'énergie. Un guide de jeu, donc c'est le guide avec les ultras qu'il y a dans la série, les 6 marqueurs du moins les 6 dés de marqueurs, les marqueurs de dégâts et de poison, et un pins, je sais pas, c'est un marqueur GX qui est belle ça, et les séparateurs pour ranger les cartes. Donc on va s'ouvrir ça, j'espère que ça va être une belle pioche. Parce que j'adore la série, vraiment. J'ai pratiquement complété tout. Mais bon, comme d'hab, hein, maintenant vous me connaissez, c'est que je revends des cartes quand elles sont pas top en PCA. Et puis, malheureusement, je sais que je vide une partie de ma collection à cause de ça. Donc, le petit fascicule, petit guide de jeu. Alors, regardez pas cette partie sauter hein, si vous voulez pas vous faire spoil. Donc, on a que 3 ou 4 GX de base. On a Raichu, Entei. Entei, j'en vois pas là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, on a Mewtwo aussi. Et Zorua. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est un Mew GX et puis une Rainbow, quoi. C'est ce qui me manque. Si je peux avoir la Mewtwo Rainbow, ça pourrait être cool. J'ai déjà Mewtwo Incubateur, j'ai déjà la Full Art Dresser. J'avais Mewtwo Full Art, je l'ai revendue parce que elle n'était pas très jolie au dos. Malheureusement, je l'ai piochée, elle avait déjà des points blancs. Donc je me suis dit encore la Full Art, bon, ça peut choper, ça peut se trouver. C'est que les Rainbow sont très durs, j'ai l'impression d'avoir dans cette série. On a aussi les petits dessins à l'intérieur. C'est sympa. Moi je laisse comme ça, je préfère. Donc en fait, vous avez dû voir qu'il y avait eu un réassort de TB. Donc, là, on a tout ce qui est marqueur. Je vous déballe pas tout, hein. Ça, c'est un petit deck de. Comment on appelle ça? Tac, je remets l'autofocus. Petit deck d'énergie, je vais pas y arriver. Les sleeves, elles sont trop belles, les sleeves. Hein. Pouah là là. Je vais mettre ça de côté parce que j'aime bien. Même si j'ai mes sleeves à côté. On a les petits intercalaires là. Je vous offre le code, faites-vous plaisir. Mettez pause hein, si je vais trop vite. Hein. N'hésitez pas à mettre pause. Et puis comme ça vous récupérez les codes. Il y a les petits dés noirs, tout simple, très jolis d'ailleurs. J'aurais préféré qu'ils mettent un peu de doré dans les dés, mais bon. Ils ont mis des dés blancs et noirs. C'est sympa aussi, c'est sobre. Ce qui est bien, c'est que dans les ETB, on a toujours les boosters, je les mets là. Je range ça. Je remets le capot comme c'était. Je ne vais pas me prendre la tête. Je rangerai ça tout à l'heure. Je vais juste mettre ça sur le côté, histoire qu'on ait un petit fond sympa. Le deck, je le range aussi. Et on a les boosters. Normalement, on en a 10. 2, 4. Ah, j'allais oublier la carte. 2, 4, 6, 8, 10. Et la superbe promo. Elle est magnifique. Tac. Petit autofocus. Elle est belle, hein. En plus, elles sont déjà dans les sachets. Oh, le pot abîmé, je la vois pas trop abîmée. Donc ça, à mon avis, vous savez où ça va. Déjà, directement, ça va chez PCA. Allez hop, on est reparti. J'ai amélioré l'autofocus. J'avais des gros soucis dans la dernière vidéo, je m'en excuse. C'est vraiment, vraiment lourd, je pense, pour vous comme pour moi. Je crois que c'est 3. J'espère que c'est 3. Ouais, énergie. Énergie de distorsion électrode. Mustéflo, Possipi, Lipoutou, Crocodile, Bakiguan, Pyronil, Palkia et Zekrom. D'accord, alors c'est bien ça. Non, c'est même 4. C'est même 4.
Tac, je vais me la mettre la reverse là. Les holos, je les ai toutes, donc je vais pas les ranger maintenant. Parce que j'ai pas trop d'utilité. Les holos, je les ai vraiment toutes, quoi. Même en double, triple, quadruple. À un moment, j'ai fait que de vendre ça sur Vinted. Je vendais beaucoup d'holos de la série. Mais comme là, il y a eu du réassort, bah, du coup, bah, tout le monde a acheté des ETB. Donc, énergie, alligator, fait l'inferno. Récupération d'énergie, Chartor, Pyronine, Nigapi, Chapignon, Matoufeu, Attrape Pokémon et Reshiram en holo. Ouais, je vais la mettre là. À la rigueur, je les holos, je vais les mettre devant. Comme ça, vous les verrez. Faut dire quand même que même les holos sont très belles. Hein. J'espère que j'ai pris la bonne ETB. Hein. Je vais remettre. Bah, je vais mettre les pioches comme ça. Allez, hop. Ça fera un booster après l'autre. Bon, j'espère que ça se passe bien chez vous. Il faisait lourd aujourd'hui. Très lourd. Très très chaud. J'allais faire la même. Allez, on continue. Énergie, Léopardus, Pyrax, Attrape Pokémon, Bulbizarre, Pikachu, Mustabouet, Kelminus, Matoufeu, Quillfish et Keldeo. Bah, c'est pas un bon début ça. Hein. Ah là 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 là, il nous en reste 7. Ah. Je veux au moins Mew brillant. Putain, ils sont durs en route quand même. Bon, au moins Mew brillant quoi. Parce que bon. Tout que j'ai pas eu. Oh si, la dernière pioche était pas trop mal. Je crois que la vidéo est postée d'ailleurs. Allez, hop, énergie. Double énergie. Chris, super rappel. Balignon. Quillfish, Flamiaou, Zorua, Herbizarre, Raikou en river, c'est pas mal. Et Marshadow. Ah, c'est moche ça. Hein. J'aime pas quand ça commence comme ça. Je n'aime pas du tout. J'aimerais bien au moins une. Enfin, je sais pas trop. Je sais même pas si on a le droit de demander quelque chose en carte. Le problème, c'est qu'en plus, on sait pas trop ce qu'on peut avoir parce que, à moins de voir le petit logo A, donc alterne. Oh, il a une énergie reverse. Ah, Jirachi brillant! Ah, la suite en plus! C'est cool ça! Ah, yes! Ah, je suis content, je l'avais revendu en plus! C'est la seule que j'avais envoyée en même temps que mon Mew brillant chez PCA que j'avais revendu malheureusement. Elle est très belle. Je sais pas si vous la voyez bien. Ah là, voilà. Autofocus qui se fait bien. Ça fait plaisir quand ça marche bien. Elle est très belle. Super. Donc on va se prendre une petite protège carte. Donc on commence doucement mais sûrement avec un petit Jirachi brillant. Et j'ai eu d'ailleurs l'énergie, c'est plutôt cool parce que j'ai eu une énergie qui ne tombe pas très très souvent. Enfin les énergies, je crois que j'en ai même aucune en reverse, malheureusement. Pour faire le petit Master Set. Ah. Bon, ça va faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, j'espère que vous jouerez le jeu. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un... Il y a cette personne en fait qui me met chaque fois sur chaque vidéo un dislike. Donc en fait la personne est tout seule. Il met toujours un dislike. Donc je l'invite à me mettre en commentaire pourquoi justement. Pourquoi mettre un dislike en fait sans explication, ça serait sympa. Je le prends pas mal loin de là. Hein. Je demande juste. Parce que ça me fait un peu rire, mais. C'est de bonne guerre. Enfin bon. Ça m'empêche pas de vous faire plaisir, enfin je l'espère. N'hésitez pas à partager, hein. Mettre un maximum de likes hein, pour que la vidéo remonte dans le contenu. En fait, c'est l'algorithme de YouTube qui permet à ce que les vidéos remontent en fait dans les recherches. Donc, il y a eu une demi-vidéo qui a eu beaucoup de likes et du coup ben, je suis remonté beaucoup dans les recherches et ce qui est vraiment cool.
ou pas en holo. Et c'était vraiment super sympa. Tac, partagez aussi un max, hein, comme ça il y a de plus en plus d'abonnés. Qui dit de plus en plus d'abonnés dit aussi des giveaways, que la chaîne sera, comment dire, un peu plus dynamique. Ah, pardon. J'ai fait tomber les comment dire, les codes. On continue. Bakaïd, récupération d'énergie, double énergie incolore. Pakiguan, je vais me remettre bien parce que j'arrête pas de bouger. Gringolem, Zorua. Voltorb en reverse et Palkia en holo. Oh là 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 là. Ah, c'est pas fou, hein. C'est pas dingo tout ça. Hein. Petit peu déçu quand même là. Mais bon, j'ai quand même Jirachi brillant, ce qui est plutôt cool, on va dire. Oh, bah, le code est parti. Hein. J'espère avoir quelque chose de concret là. Il me reste deux boosters. Ah là là. Lily est très belle, l'illustration est très belle. Dommage qu'ils n'ont pas fait Lily aussi dans cette série en full art. Et Marchado en holo. Ah, c'est compliqué, hein. Je crois que cette ouverture, ça sera pas la meilleure ouverture que j'ai faite, hein. Ah, le dernier booster. Peut-être le dernier coup d'avoir quelque chose. Oh là là, c'est dommage. Mais comme c'est du ressort, je ne sais pas si ça a été modifié ou pas. Je ne pense pas, mais. Oh bah j'en ai pris deux d'un coup. Kaiminus, on a eu. Matoufeu, Possipi, Lipoutou, Crocodile. Et la dernière carte. Oh, Zorua GX. Qui est très belle aussi. Mais c'est pas une super pioche. Ah, dommage. Bon, bah c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu le truc waouh quoi. Bon bah c'est pas grave, je m'aurais fait plaisir quand même avec bon bah j'ai eu de très belles cartes quand même. J'ai eu Jirachi Brillant et Zorua. Zorwark, pardon, en GX. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, je pense que je vais m'ouvrir des. J'ai reçu des boosters chez Vinted, du moins. Je vais remettre. J'ai reçu des boosters de Vinted, des Eclipses Cosmiques. Donc, prochaine ouverture, Eclipse Cosmique. Donc, je vous dis, n'oubliez pas de partager, liker, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut! We'll be right back.